Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 35 de Coin du DVD. Épisode 35 qui, malheureusement, je dois vous l'annoncer, a décidé de sauter une lettre. Parce que j'ai pas de film, ou quasiment pas, dans la lettre Q. Donc du coup, on va passer tout de suite à la lettre R, lettre dans laquelle j'ai beaucoup plus de choses à vous raconter. Que ce soit la saga REC, que j'aime bien. Bon, elle part un peu en couille sur la fin, mais elle est quand même cool. Et personnellement, c'est une saga où je trouve que les deux cinéastes ont su assez bien se réinventer au fil des épisodes. Plus au travers du 1, 2, 3 que du 1, 2, 3, 4. Parce que le 4, voilà, on sait ce qui lui est arrivé et c'est quand même pas foufou. J'ai plein d'autres petits trucs. J'ai genre la saga Retour vers le futur. Très grande saga du cinéma qui n'a plus besoin d'être saluée. Ou en tout cas, qui n'a plus besoin d'être adoubée parce que tout le monde l'adore. Et il y a un film que j'avais vraiment envie d'évoquer. Parce que c'est un film réalisé par un mec que je surkiffe. Qui a été capable de proposer au sein du 7e art des comédies complètement déjantées, des concepts vraiment loufoques, et également un film de genre, premier film de genre parce qu'il en fera un deuxième par la suite qui est, si ce n'est tout aussi fumé, en tout cas beaucoup plus perché, un premier film de genre qui avait beaucoup de bonnes idées en son sein, qui a malheureusement à l'époque pas réussi à trouver son public, malgré un certain Quentin Tarantino à la production exécutive. Mais tout de même, lorsque Kevin Smith a sorti Red State, eh ben moi j'étais très surpris. Parce que honnêtement, je m'attendais à un petit film sympathique, je me suis dit « Ouais, bon, Kevin Smith, il va nous pondre un truc, ça va pas forcément être fou, mais ça peut être amusant. » Et Red State est très cool. Genre vraiment très cool. Pas forcément le meilleur film de genre possible, mais au travers de son pitch assez simple, qui est en même temps très fumé, c'est-à-dire trois ados qui ont rencontré une meuf sur internet et il lui propose un plan à trois. Et ouais, vous allez me dire un plan à trois alors qu'ils sont déjà trois, ça marche pas. Et pourtant, c'est ce qu'ils veulent lui proposer. Et une fois qu'ils arrivent là-bas, en fait, ils se font droguer et kidnapper et ils se réveillent dans une chapelle où il y a un espèce de révérend qui veut s'occuper de leur cas. Ouais, on va résumer ça comme ça parce que vous en doutez, lorsque trois ados qui étaient supposés pécher vont se retrouver dans une chapelle avec un révérend un peu fumé, qui plus est joué par Michael Parks, on sait ce qui va se passer. Clairement, on le sait très facilement. C'est un choix très surprenant de la part de Kevin Smith parce que dans sa carrière, à ce moment-là, il était vraiment habitué à livrer des comédies, que ce soit Jay et Silent Bob contre-attaque, que ce soit Les Clerks, que ce soit Dogma. Le mec était habitué à faire de la comédie pure et dure. Il s'était un petit peu lancé dans la comédie romantique de manière maladroite, mais il avait fait que de la comédie. Et d'un seul coup, il décide de se dire « Ok, maintenant j'en ai fait le tour de la comédie, c'est plus ce qui m'intéresse. Avant de peut-être raccrocher et de me consacrer à autre chose, je vais faire un film de genre. » Bon, il a tellement surkiffé qu'il en a fait un deuxième du coup dans la foulée qui s'appelle Tusk. Si vous n'avez pas vu Tusk, je vous le conseille très largement. Mais Red State, en tout cas, déjà, c'est une œuvre qui prend vraiment au trip. Parce que le concept est, comme je disais, très con. Genre vraiment très con. Genre très à l'ancienne, un peu Wicker Man, etc. Mais ce qui marche, en fait, c'est que c'est tellement premier degré que du coup, ça sonne presque comme satirique et comme noir. Et du coup, on se met à être un petit peu effrayé par ce qui se passe, mais un peu plutôt à rigoler. On s'amuse finalement devant. Et on se dit, c'est quand même un peu bizarre parce que c'est fumé. On ne devrait pas rigoler devant ce film. Et le film va dans une démarche où constamment on est sur la corde raide. Et ce qui est très intéressant, c'est que Kevin Smith choisit d'aller jusque dans cette vision-là jusqu'à la fin de son film. C'est-à-dire que c'est rarement que devant un film, je ressente des frissons d'effroi. Parce que les frissons d'effroi, ils sont très compliqués à avoir. On va avoir le sursaut, on va avoir la peur pure et dure, on va avoir une sensation un peu glaçante qui va nous parcourir l'échine, où on va se dire là, c'est terrifiant. Mais rarement devant un film, j'ai un frisson où j'ai les poils qui s'hérissent et où je suis vraiment captivé à tel point que je me dis « Waouh, ça marche du feu de Dieu ». Et la fin de Red State est de ce niveau-là. Parce que dans les premiers instants de la fin, sans la spoiler, on se dit qu'il va vraiment se passer quelque chose d'horrible. Et après, il se passe autre chose. Alors là, je vous dis pas ce que c'est, parce que c'est ce qui fait toute la saveur de ce film. Mais déjà, au travers de ça, Kevin Smith cristallise une ambiance.
Il arrive à nous faire rentrer dans son délire, il arrive à faire en sorte qu'on soit captivé par les personnages. Qui plus est, il s'est choisi trois super acteurs de tête d'affiche qui déboîtent vraiment tous les trois, que ce soit Michael Parks, qui en révérend est absolument jouissif, arrive à captiver les foules, arrive à être enivrant presque, tellement on sent qu'il a le discours et qu'il a la vibe. Il y a également Melissa Leo, qui est une immense actrice et qui ici s'éclate à jouer la possédée qui voulait piéger des gamins pour un plan A4, etc. C'est extraordinaire. Et il y a John Goodman. John Goodman, qui est pour moi l'un des meilleurs acteurs du cinéma, que ce soit dans The Big Lebowski ou dans les Blues Brothers 2000. Mais en tout cas, là, les trois, ils forment un espèce de trio sataniste qui est assez jouissif à regarder. Et devant lequel on se dit, waouh, non mais ils sont tous les trois mortels. Et c'est assez génial du coup. Bon, par contre, je suis désolé, mais alors le DVD, il n'y a rien dessus. Il n'y a vraiment rien dessus. Alors j'ai cherché sur internet, c'est très difficile de visiblement trouver des bonus. Tant que Kevin Smith a voulu garder le projet hyper secret, il y a un vague petit making-of, mais alors dans le genre making-of, au ras des brousoufs, il fait même pas 20 minutes le making-of, il n'y a quasiment rien à se mettre sous la dent. Il a voulu faire son petit délire, il s'est dit pour aller jusqu'au bout du délire, il faut que ça soit quasi secret. Donc il a réussi à le tenir secret. Ce qui fait que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de bonus. Bon, c'est un petit peu dommage, mais on se dit que le film se suffit en lui-même pour réussir à nous faire tenir de bout en bout. Parce que vraiment, pour le coup, si vous avez l'occasion de choper Red State, je sais que c'est un film qui a du mal à trouver, on va dire, une petite case dans les rayons DVD et Blu-ray de la plupart des magasins, et même dans la plupart des Happy Cash ou des lieux de revente de DVD ou de Blu-ray, il est un peu difficile à trouver. Personnellement, moi, je suis très content de l'avoir parce que je pense avoir une des rares éditions qui a été faite de ce film. Et vraiment, si vous avez l'occasion de vous le procurer, Red State de Kevin Smith, encore une fois, c'est pas juste un film de genre fait par un mec qui faisait de la comédie avant. Ça fait un film de genre qui a été fait par un fumé qui s'est dit « Vas-y, je vais faire un film de genre, mais on va jamais savoir si on doit rire, pleurer ou être terrifié par ce qui se passe. » C'est ça qui me fait adorer Red State et que je vous conseille très fortement si vous ne l'avez jamais vu et si vous l'avez déjà vu, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Ainsi s'achève cet épisode 35 de Au coin du DVD, une nouvelle fois, j'espère qu'il vous aura plu. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas encore vu le film ou si vous l'avez déjà vu, vous mettez dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé le délire ou pas, si vous avez été plutôt du genre je rigole ou plutôt du genre je suis terrifié. Dans tous les cas, j'ai vraiment envie que vous regardiez ce film parce que je pense que vous pourriez très fortement l'apprécier. Et comme d'habitude, en fin d'émission, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois, il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.